Salut les amis, c'est Mighty Gras, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. La vidéo du siècle, celle que j'attendais avec impatience, une de mes plus grosses attentes depuis de nombreuses années. Et oui, mon nouveau jouet de 25 cm les amis, 25 cm de pose. À tout va, on va se régaler durant une séquence de posing en série en fin de vidéo. Vous allez voir, on va le mettre dans tous les sens. Ce personnage, à savoir Thor, ce guerrier divin d'Asgard EX, le premier personnage à savoir quand il pleut. Il est grand, gargantuesque, immense, monstrueux. La version classique nous avait déjà apporté énormément. Cette version EX risque de vraiment faire la différence. En tout cas, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. On va prendre un plaisir incommensurable à l'assembler ensemble, découvrir, mais surtout, on va se régaler à le poser, les amis. Petite précision concernant cette chaîne YouTube, celle-ci n'est à présent plus sponsorisée par une boutique. Vous le savez, j'étais précédemment sponsorisé par une boutique, j'avais une boutique partenaire qui me fournissait les figurines. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je me fournis un peu là où je peux, de la manière où cela me convient le mieux, le moins cher également. Sachez que la fin de ce partenariat avec cette boutique n'est en rien un souci, un différend ou quoi que ce soit. Vous pouvez tout à fait continuer à acheter dans cette boutique, il n'y a aucun souci. La raison de la fin de ce partenariat est très simple. Cette boutique, malheureusement, ne pouvait plus me fournir en temps et en heure les figurines que je vous présente habituellement rapidement car il s'agit de versions japonaises. Le principe est simple, les figurines étaient commandées en temps et en heure par la boutique, mais étaient souvent retenues, que ce soit en douane ou par les transporteurs, et on perdait un temps énorme. Donc désormais, j'essaierai d'être un peu plus rapide en commandant moi-même les figurines et en évitant de passer par des intermédiaires. Cette figurine, je l'ai achetée à un vendeur sur Facebook qui s'appelle Donglin. Envoi rapide, soigné, pas de cornure, rien au niveau de la boîte. Tout s'est très bien passé pour un tarif avoisinant les 175-180 € envoi compris, ce qui reste raisonnable pour une figurine de ce calibre en version japonaise. Bien entendu, la version européenne sera beaucoup moins chère. Je vous invite à l'attendre si vous ne voulez pas débourser plus pour une version japonaise qui n'a aucune différence au niveau du contenu, du packaging ou quoi d'autre. Allez les amis, c'est parti, on va découvrir ce grand bestiau, on va s'amuser ensemble et on va prendre beaucoup de plaisir. Ah oui, ah oui. Allez, générique! La toute première chose que l'on va faire avec cette figurine, c'est la peser. Et oui, ça vaut son pesant d'or, ces petites bêtes-là. Et on est à 1 460 pour la boîte et son contenu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il s'agit d'une belle grosse pièce. Ça va vraiment être un pur moment de plaisir, les gars. Allez, on découvre la boîte. On reste dans une logique avec une boîte similaire à ce qui a déjà été sorti au niveau des guerriers divins d'Asgard. On a donc Thor sur la face avant avec les bras le long du corps et les deux haches au niveau de sa taille. On a le logo du serpent juste ici et bien sûr tous les logos qui composent habituellement la boîte. Et on remarquera que nous avons droit au petit sceau de qualité Tamashii, tout comme ça a été le cas pour la version d'Hilda de Polaris qui fut la première figurine à aborder ce petit logo. Espérons que cette figurine de Thor soit aussi qualitative que sa précédente sortie, à savoir Hilda de Polaris qui était juste exceptionnelle. Sur le côté, on retrouve le totem vraiment splendide avec un fond enneigé. Sur l'autre côté, on retrouve Thor dans une pose très dynamique avec les yeux qui regardent vers le bas, vraiment prendre de haut son adversaire, à savoir ici sans doute le chevalier Seiya de Pégase. L'arrière, quant à lui, nous fournit tout un tas d'informations. On voit tout de suite ici Thor sur toute sa grandeur, comme je vous le disais, devant le personnage de Seiya qui paraît vraiment minuscule. On testera tout à l'heure à mettre Seiya V2 juste à côté de Thor pour voir un petit peu la différence de gabarit. On a Thor dans une pose très agressive juste ici, le totem. Thor qui balance ses deux haches bonus contre Andromède, parce que oui, il y a des haches bonus
dans cette version, chose qu'on n'avait pas dans la version classique. Et enfin, quatre visages. Un premier visage neutre que je trouve totalement incroyable. Un visage hurlant. Un visage avec un petit sourire en coin. Et enfin, un visage grinçant des dents. Vraiment, quatre visages splendides. Cette gamme d'Asgard est incroyablement bien fini, bien fichu et bien conçu. Vraiment un très très beau travail. Sur le dessus, on retrouve la constellation avec l'étoile de Gamma qui brille juste ici. Sur le dessous, les informations Tamashii avec une pose de Thor qui porte cette fois son bouclier. Ce personnage comprend 5 blisters et une notice de montage. Le premier blister comprend le personnage avec les jambes repliées sur elles-mêmes pour éviter justement que les blisters ne soient beaucoup trop grands. Nous avons la chevelure ici qui permet d'accueillir le casque, les mèches latérales, le casque, la partie qui vient s'adapter au menton, les épaulettes ou épaulières, brassières, avant-bras, 4 protège-mains, donc 2 paires, ça c'est plutôt pas mal, les pieds séparés. Le deuxième blister reprend les fameuses haches, les cuissardes, le plastron, la partie abdominale, la jupe, les genouillères, les jambières et enfin deux parties latérales qui viendront se fixer sur la jupe qui permettront cette fois d'accueillir les haches sur les flancs. Le troisième blister reprend les 3 visages. Nous avons droit au visage hurlant, le visage ricanant et le visage aux dents serrées. Nous avons également les mains, donc une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains, 4 paires de mains. La base du totem, cette partie je ne sais pas de quoi il s'agit, sans doute une partie du totem également. Le quatrième blister reprend essentiellement des éléments du totem, mais également le fameux bouclier de Thor. Le cinquième et dernier blister reprend les fameuses haches qui nous servent de bonus et qui vont nous permettre d'avoir des situations dynamiques. Et enfin, la notice que nous découvrons tout de suite. La notice comprend 3 feuillets. Le premier feuillet reprend le référencement de chaque pièce. Le deuxième et troisième feuillet reprennent le montage du personnage ainsi que du totem. Pas de grosses difficultés pour le montage de ce personnage. Il y a beaucoup de blisters, mais c'est certainement dû à la taille des pièces qui prennent énormément de place, tout simplement. Le dernier feuillet au niveau du verso, reprend quant à lui la suite et la fin du montage du totem. Thor est sorti de sa boîte, les jambes ont été dépliées et les pieds ajoutés pour qu'on puisse vraiment avoir toute sa grandeur. Et là, vous avez la version de Pégase V2 EX, car oui, il s'agit d'une version EX. Alors, vous avez vu la différence de taille? On est vraiment sur un Golgoth. Ce personnage est juste immense. Si jamais vu, je suis obligé de monter la caméra pour vous montrer son visage, tant le personnage est grand. On est limite de la taille d'une résine. C'est vraiment exceptionnel. Il est vraiment gargantuesque. Le visage est sublime. Le corps magnifique. La chevelure, regardez, qui prend vraiment une ampleur ici autour du cou. On est vraiment devant un personnage qui est juste exceptionnel. On va tester tout de suite la rigidité et même s'il a de grandes jambes, ce personnage est très rigide. On a vraiment, regardez, une rigidité à toute épreuve. Les genoux, c'est parfait. On a l'impression qu'on a un corps de type métal dans les mains. Les pieds, c'est très très bien aussi. Les bras, magnifiques. Oui, les bras, c'est important parce qu'il va devoir tenir les haches. Les mains, les épaules, ouais, c'est très très rigide. Waouh! Alors, le buste, ouais, ça sortir facilement. Vous voyez tout le mécanisme à l'intérieur. Ça sortir facilement. Et la tête, c'est nickel. Donc, vraiment un personnage très rigide. Et ça, c'est vraiment hyper important. Allez, on attaque tout de suite le montage. Il me tarde de le voir monter, ce Thor. Tout est démesuré chez ce personnage. Et on attaque la première cuissarde, qui est juste énorme. La jambière, très très pesante. Et on va tout de suite refermer avec cette chaussure pointure 60. Et on vient placer la genouillère qui ressemble étrangement à un saphir d'Odin, tellement cette genouillère est imposante. Et voilà. On enchaîne tout de suite la seconde jambe. «
On enchaîne sur la première brassière. La partie inférieure du bras avec du mauve sur le dessous et du vert juste sur le dessus. Et on va venir la placer de côté pour avoir un joli posing avec les haches en main dans un premier temps. Les mains que je vais utiliser en premier seront celles qui permettent d'accueillir les haches. Étant donné qu'il y a 4 protège-mains, je vais déjà pouvoir en placer 2 sur chaque main. Si la peinture s'en va, j'en aurai quand même 2 de réserve. Second bras qui est totalement différent du premier. Regardez, c'est asymétrique. On n'a pas du tout le même format au niveau du bras. Donc on a vraiment un bras qui est totalement différent. Je ne me rappelais plus de ce détail. L'autre main ouverte. Et le second protège-main. La partie abdominale avec du vert turquoise sur l'avant, tandis que l'arrière est, lui, de couleur mauve. On a un dégradé sur le côté du plus bel effet. L'intérieur n'est pas peint, je vous le répète systématiquement, les pièces abdominales sont les plus fragiles, donc faites très attention, la couleur s'en va très 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 facilement si vous ne faites pas un minimum gaffe. Et on place la partie avant, suivie de la partie arrière, et on ferme ça calmement. Ensuite, vous redescendez le buste. Vient le tour du plastron qui s'ouvre sur l'arrière. Vous avez une partie qui va venir se placer à l'arrière pour empêcher le plastron de bouger. Vient le tour de la jupe. Vous devez retirer la petite partie sur l'avant. Et vous devez retirer la partie sur l'arrière pour pouvoir venir contourner le personnage. Vous le remettrez après. Cette jupe permet 2 alternatives. Vous avez d'abord l'alternative où les haches ne se placent pas et puis vous avez l'alternative où vous pouvez placer le pan de jupe où viendront se placer les haches. On verra ça tout à l'heure dans la séquence de posing en série, mais le principe est identique. La main de Lego sert à attraper tout simplement le pan de jupe latéral. Vous refermez donc la jupe, vous replacez la partie arrière et vous refermez simplement l'avant. Et on enchaîne tout de suite avec les épaulières qui, comme pour yoga, viennent entourer l'épaule directement par le petit trou que vous voyez juste ici. Il est temps à présent de nous attaquer à la tête et au casque. On récupère la chevelure arrière alternative. Les mèches sont beaucoup plus souples sur cette chevelure que sur la chevelure d'origine. On prend la petite partie que voici qui va venir se placer dans les trous. Alors, on fait comme ça. On récupère la toute petite chevelure avant, à savoir la mèche, qu'on va venir placer de cette manière juste devant. On complète avec le visage du serpent, à savoir le casque, qu'on va venir, je pense, emboîter simplement par le dessus. Alors, est-ce que c'est facile? Ah, c'est rentré déjà. Très facile, aucun souci. Et enfin, on va venir lui placer la tête carrément sur son corps. Et voilà le résultat. Waouh, 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 waouh. Je vais directement baisser la tête et regardez-moi ça. Waouh, quel claque. C'est ce visage-là inexpressif. Vous voyez, on n'a pas d'expression sur le visage qu'il lui faut. Waouh, quel claque monumentale, je le dis haut et fort, il s'agit très probablement de ma figurine favorite, toute figurine confondue. Et là, grosse, grosse surprise, c'est du full metal. Du full metal, les amis. Oh là 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 là, ça rigole pas du tout chez Bandai. La qualité est top depuis ce petit logo quality de Tamashii Nation. Franchement, on en redemande. Ça se déclipse par le dessus, de cette manière. Vous venez simplement passer le bâton de la hache sous la main et enfin, vous venez refermer simplement la hache calmement de cette manière, voilà. Et vous faites la même chose pour l'autre main. Et voilà le résultat. Waouh! Je sens que je vais m'amuser avec ce perso. Waouh! Waouh, si ça ne tenait qu'à moi, je le place tout de suite en vitrine comme ça, les amis. Allez, voilà, pour moi, il est bon. Un peu d'ajustement, mais pour moi, ça, c'est sa pose.
dans laquelle il va se trouver en fin de vidéo. Waouh, terrible, vraiment terrible. Je l'ajuste un peu et je reviens tout de suite. Voilà ce que l'on obtient une fois que c'est un peu plus ajusté. Mais rassurez-vous, tout à l'heure, lors de la séquence de posing en série, vous pourrez vraiment déguster le personnage sur vraiment tous les angles possibles et inimaginables. C'est vraiment une réussite complète. Ce personnage est une simple tuerie monumentale. Nous avons droit également à des haches tournoyantes en bonus dans cette boîte et c'est plutôt génial. Vous voyez, on a droit à deux petits clips ici pour pouvoir les mettre sur des espèces de socles qui sont heureusement fournis. Ces socles, les voici. Il vous suffit de venir enfoncer la pièce à l'intérieur et ensuite vous venez tout simplement y fixer la hache et vous donnez le mouvement que vous voulez à la hache. C'est juste génial. Voilà le deuxième et regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux, vous allez vraiment pouvoir vous amuser à créer des scènes hyper dynamiques comme c'est le cas sur la boîte quand on voit Sean juste ici subir l'attaque des deux haches tournoyantes lancées par Thor. Franchement, je suis réellement, si je puis me permettre de le dire, sur le cul. Cette figurine est réellement une pépite monumentale. Elle est aussi gargantuesque au niveau design qu'au niveau de la taille. Il est vraiment génialissime. Les amis, le montage est à présent effectué. Bien sûr, il y a plusieurs visages, plusieurs types de mains. On a les pans de ceinture différents. Je vous propose de vous montrer tout ça dans une séquence de posing en série. C'est quand même hyper important de voir ce qu'il y a moyen de faire avec ce Thor. Nous, on se retrouve tout de suite après cette séquence pour le débriefing de la vidéo. C'est parti, séquence de posing en série. C'est parti pour toi, mon ami. On va s'amuser. Thank you.
Avant de débriefer de cette vidéo, je vous montre ma vitrine dédiée à l'arc Asgard. Alors, vous le voyez, Thor a pris une place de choix. Il est juste au premier rang, voilà, laissant derrière lui aisément de place pour ne pas cacher les personnages. On a le Hagen juste ici, Alberic, les deux frères, Bud et Sid, la toute nouvelle Hilda de Polaris en version Revival, le cher Alpha, bien sûr, mais également les V2 EX, qui, bien entendu, trônent au-dessus pour laisser la place, évidemment, à Thor en dessous, qui n'aurait pas pu être placé sur l'étage supérieur. Voilà, il me restera donc deux places pour Mime et Fenrir. Faudra serrer juste un petit peu, mais c'est faisable. Surtout qu'il y a des nouvelles vitrines qui arrivent fin août, début septembre. Donc il faudra réorganiser tout ça en fonction. Il est temps à présent pour nous de nous retrouver pour débriefer un petit peu de cette figurine incroyable qui est tout simplement explosive et phénoménale. Allez les amis, on part sur le débriefing immédiatement. Voilà les amis, nous voici arrivés dans la partie finale de cette vidéo dans laquelle on va débriefer. Alors, cette partie pourrait durer des heures tant j'aurai des choses à vous dire concernant cette figurine, mais on va la faire simple, courte et directe pour éviter un monodialogue qui va s'éterniser. Cette figurine, à savoir le Thor en version EX, est de loin, très loin, à des années-lumière, ma figurine favorite parmi toutes les figurines que j'ai eues à ce jour, toutes collections confondues. C'est vraiment une figurine avec laquelle je me suis éclaté. Alors, je me suis éclaté au niveau de la séquence posing, mais ce n'est pas par le simple fruit du hasard. Je me suis aussi beaucoup éclaté parce que j'ai eu en message interposé, en vidéo, en live, en audio, un ami, à savoir Lionel, que je remercie vraiment infiniment et de tout mon cœur parce que j'ai passé avec lui un moment extraordinaire dans le sens où chaque fois que je faisais une pause, je lui ai envoyé une petite vidéo, une petite photo ou quoi, et en fait, on s'extasiait l'un l'autre. En fait, lui me remontait, mais d'une puissance incommensurable, et moi, je palpitais à l'idée de le faire lui remonter et de nous donner une ambiance vraiment bon enfant, comme deux gosses dans un bac à sable qui réalise des châteaux de plus en plus grands, etc. Et donc, j'ai eu une inspiration, mais vraiment fulgurante avec ce personnage et un challenge de toujours vouloir faire mieux pour pouvoir montrer à Lionel, justement, que ce personnage était vraiment grandiose et à la hauteur de nos espérances. Donc, merci à toi, Lionel, pour ta participation indirecte, finalement, à cette vidéo, parce que grâce à toi, je me suis vraiment, mais vraiment surpassé. Je pense avoir réalisé de très jolies poses. Je pense sincèrement, j'ai pu souvenir de ce que j'ai déjà fait dans le passé, etc., qu'il s'agit là de pas mal de mes meilleures poses au niveau mise en scène, etc., avec ce géant, ce Golgoth, ce monstre du Grand Nord. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins chaud, voilà, curieusement, j'ai beaucoup moins chaud. La vidéo, bien qu'elle n'ait duré que quelques minutes pour vous, en tout cas moins de temps que moi pour la réaliser, parce que je vous assure, pour les poses, j'ai passé plus de 3, voire 4 heures à les réaliser, j'ai vraiment passé un moment incroyable. Cette figurine, il vous la faut. Merci beaucoup à vous, les amis, d'avoir suivi cette vidéo sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en espérant qu'elle soit aussi sympathique que celle que je viens de tourner ici. Les amis, je vous laisse à présent à vos occupations. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, laisser un pouce, un commentaire. Prenez soin de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Pour ceux qui commencent tout doucement leurs vacances, que ce soit petits et grands, je vous souhaite d'ores et déjà de très bons congés et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao ciao !